eFootball, donc eFootball PES 2020. Le eFootball est intéressant, mais pourquoi pas. Donc voilà, on va faire une petite Ligue des Masters, Ligue des Maîtres. J'ai pas vu les nouveautés, j'ai pas encore testé, j'ai rien vu. Alors sélectionnez l'équipe avec laquelle vous avez commencé à la Ligue des Maîtres. Pour découvrir comment a progressé sa carrière, sélectionnez joueurs originaux. On va faire composition de club. Bien entendu, comme tous les ans, on va prendre l'OM, bien sûr. Alors j'ai mis le CPES, CYPES. Chacun prononce comme il veut. Il y en a dit CPES, moi je dis CPES. Ah, l'apparence. Ah, d'accord. Ah ouais, d'accord. Ah, il y a Romario et Bebeto. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, on peut pas créer d'entraîneur du coup. Attends. Alors lui, je connais pas. Je connais pas. Ça me dit pas grand-chose. Non, je connais pas tout le monde. Il y en a que je connais pas, mais il y en a que je connais, bien sûr. Le Lothar Matthäus, bien entendu. Cruyff ou Maradona? On va prendre Maradona, hein. Allez. Tiens, c'est bizarre, on peut pas créer notre bonhomme. C'est un peu dommage, ça. On met en costume, chemisette ou en sportswear? Maradona en costume, ça lui va, ça? Allez, on va le mettre en costume. Bon, on va laisser Diego Maradona, tu sais quoi. C'est bon, pas changé. J'aurais bien aimé faire l'apparence, mais bon, c'est pas grave. Fréquence des transferts, normal. Assez élevé. On va laisser normal. Difficulté, négociation, on va laisser en normal. Budget départ, normal. Première période de transfert, on va la désactiver. Parce qu'il n'y a pas besoin de la faire vu que l'équipe est faite. Affichage des salaires annuel ou hebdomadaire. Ah oui, hebdomadaire, c'est plus à l'anglaise. Niveau, je crois que je joue en pro, mais je suis pas sûr. Franchement, je suis pas sûr. J'ai peur de me faire éclater en pro. On va essayer en pro. On va essayer en pro. Temps de jeu, il me semble que moi je mettais 12 minutes, mais 12 minutes, ça risque d'être un peu long. Yen. Pourquoi c'est sur Yen d'entrée? Ouais, c'est stylé, il y a des vrais entraîneurs. Après, j'aurais aimé qu'ils permettent aussi de créer un entraîneur en partant de rien, comme dans la version précédente, mais bon, c'est qu'un détail. Pause pendant la période des transferts. Vous pouvez sélectionner la fréquence des pauses. Sélectionnez seulement en cas de changement. Il n'y aura pas de. D'accord, ok. Ben, en cas de changement, ça suffit. On va jouer en pro 11 minutes. Il me semblait que je jouais à 12 parce que 10, c'est trop peu. Alors, j'ai coupé les musiques. C'est pour YouTube. Je suis obligé de couper les musiques, malheureusement. Par contre, j'ai l'impression qu'il n'y a même pas de son en fait. Waouh! Mandanda et Payet qui accueillent Maradona, le nouvel entraîneur de l'OM. Incroyable. Tout ça présenté par Zubizarreta, c'est Zubizarreta lui, en version un peu différente, mais. Waouh, Thauvin et tout. T'imagines? Maradona avec son petit café, sa petite chemisette. Pourquoi il n'y a pas de son par contre? Il n'y a que de la musique, il n'y a même pas de son. Ah d'accord. Ouais, ils auraient pu mettre un peu de son, quoi. C'est sponsor le café ou pas là? Bon, passons aux choses sérieuses. Pourquoi il n'y a pas de son? Tu sais, c'est bizarre, il n'y a même pas de son dans le jeu. C'est quoi le délire? Si, il y a des sons, mais il n'y a pas de son dans cette séquence en fait. Et si on tentait de gagner le championnat? Je suis pas convaincu. On peut finir dans la première moitié du classement. Non, je pense qu'on devrait viser la qualification. On est reparti. Donc. On va viser la deuxième. 2-3. Parce que le titre, ça m'étonnerait fort. Ce n'est pas très ambitieux, mais je pense qu'on devrait être d'assurer l'une des places qualificatives en Champions League. Exactement. Ah, j'ai passé. Je sais pas s'il y avait autre chose. Bon, tant pis. Je sais pas s'il y avait autre chose. J'appuie sur Start pour passer, mais en fait, ça a tout passé. Bon. Est-ce qu'il y a le sponsor Uber Eats? Non, il n'y a pas les sponsors officiels. Et c'est pas plus mal en fait. Félicitations Bruno Maison, vous avez travaillé comme manager dans plusieurs autres clubs, ce qui montre que vous aimez réellement bourlinguer. Bourlinguer. Votre poste dans ce club
Est-il le couronnement de votre carrière? C'est un nouveau départ, c'est le plus important de ma vie de manager. C'est un véritable honneur. C'est un véritable honneur. Je suis très reconnaissant d'avoir confiance au club, comme vous montrez. Je ne sais pas si c'est le grand succès de ma carrière, mais c'était bien un grand moment quand j'ai aperçu la. Ok. Quel style de football voulez-vous? Je veux voir un jeu propre et fair play. Je veux ouvrir un vrai pestacle. Ah, du pestacle, bien sûr. Je ne veux pas voir les joueurs. Ah, du spectacle, à fond. On ne peut pas en vouloir aux gens d'exiger les résultats, mais je pense qu'offrir le spectacle est tout important. Hein, si vous voulez gagner, faites-le avec la manière. C'est le genre de football que les supporters veulent voir et c'est ce que je compte leur proposer. Mais bien sûr, on a pris Maradona, c'est pas pour rien. Bienvenue en Ligue des Maîtres. Voici qui marque les débuts de votre carrière de manager. Vous devrez aborder vos emails. Okay. Ça change pas. Ah, le menu, il a rien à voir. Ah, d'accord. C'était quoi ce petit clic-clic là? Alors, les programmes d'entraînement, toutes mes excuses, je vais vous expliquer tout ça. Attends, qu'est-ce que c'est ce truc? Oula. J'ai des petits pétous dans mon casque, je sais pas ce que c'est. Nous avons analysé les objectifs fixés par le directeur sportif vous-même et nous n'y voyons aucun inconvénient de point de vue strictement financier. Cela aura des répercussions positives. D'accord. Calendrier principal pour août. Annonce du groupe retenu en sélection, Ligue 1 Conforama. Un autre joueur de l'année. Ok, votre carrière de manager. J'ai un problème de casque là. Oh, mon casque, il fait des pétous. Ok. Quelle aisance face aux médias? La presse ne parle que de vous en tant qu'agent. Je dois vous expliquer un peu la situation. Si vous voulez changer de club, indiquez-moi le président. Ok, on ne veut pas changer pour l'instant, on vient d'arriver. Voici le tête de votre budget, à vous de le gérer. Les frais de transfert sont payés à l'aide du budget de transfert. Les salaires du budget, ça c'est comme d'habitude. Ok, ça n'a pas changé. D'accord. Il n'y a pas de nouveauté. Gestion d'équipe. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Ah oui, ça c'est vraiment. Ah bah c'est cool. Ils m'ont mis rongé, ça c'est pas mal. Par contre, le dispo, je suis pas fan du 4-3-3. Avec cette équipe, 4-3-3, ça risque d'être un petit peu compliqué de jouer en 4-3-3 avec ces joueurs-là. J'aimerais bien jouer à deux devant, mais pareil, je pourrais pas. Le 4-2-3-1, ça me semble être une évidence. Mais c'est du MLG, MLD, hein, ça pareil, ça change pas. Pourquoi ça, il est passé en MLG, en fait? Attends, il m'a fait un peu... Qu'est-ce qu'il m'a fait? Pourquoi il m'a mis Sarr en milieu gauche et Sanson en milieu droit? Bon, c'est pas grave. 4-2-3-1 ou 4-3-3, c'est quasiment pareil. C'est juste que j'ai un 10 un peu plus haut. Non, ça, c'est 4-5-1 que j'ai mis. Ouais, on va jouer comme ça. Il y a quoi comme compo, en fait? Moi, j'aime bien jouer avec deux attaquants. Oh, attends, il y a quoi comme compo? 4-1-4-1? Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est pas mal aussi. Le 4-1-2, j'aime bien aussi. Mais j'ai pas deux attaquants. Du coup, ça sera pour une autre fois. On va laisser un 4-2-3. Non, j'ai pas changé là. 4-2-3-1. Mais avec un 10 un peu plus élevé. Un 10 un peu plus haut. Ok, par contre, là, il m'a fait Nemp. MLG, qui peut jouer en MLG. Radon Geek, bien sûr. J'ai Rongier qui peut. Là, j'ai envie de tenter Sanson en milieu droit. Et là, je mets Lopez en milieu droit et Rongier. Ah oui, mais là, c'est du MDF en fait. Ah, c'est pas la même chose. Je le mets en milieu relayeur. J'ai pas. Milieu relayeur. Non. Eh non, c'est pas bon. Putain, j'ai pas la bonne équipe en fait. Salut, Kali. Salut. Il me faut des relayeurs. Donc, c'est plus ce genre de compo qu'il me faudrait. Mais pourquoi je passe de 92 à 88 là? C'est intéressant ça. Il me faut des relayeurs. Parce que là j'ai que des relayeurs dans mon équipe. J'ai que ça. Ça a l'air pas mal ça. Mais j'ai pas de 10. Mais j'ai 2 millions offensifs. Fais voir. Alors on va essayer ça. Après, j'ai Tovin qui est toujours là. Bon, il est supposé être blessé. Bon, on va le faire jouer. Hein. On va le faire jouer, c'est pas grave.
attaque. Payet, Milan, Lernan. Milieu offensif, il est meilleur. Ok. Alvaro, Camara, Sakai, ok. Bon, ça a l'air pas mal. On va tenter comme ça, on verra bien ce que ça va donner. Avancer. On a dit pas de transfert la première année. Ça va être chaud par contre. Je suis obligé de me satisfaire de ce que j'ai. Groupe retenu en sélection. On s'en fout un peu. Allez. Ah, il n'y a même pas de pré-saison, il n'y a rien. Ah, d'accord. Je crois que j'ai pas mis la pré-saison en fait. Ah, attends. C'est dommage qu'il n'y ait pas de son. Ils ont pensé qu'à la musique, mais la musique, tu peux pas la mettre, la musique. Ah, putain, on peut pas mettre la musique. J'aurais dû mettre des sons, là, c'est la moindre des choses. Comment sentez-vous avant? Il faut démarrer fort pour viser le titre. Nous voulons la fierté des supporters. Nous sommes prêts à les affronter. Ah, il parle des supporters, bien sûr. Motivé pour le match d'ouverture, j'espère. Et maintenant, nous, on compte mouiller le maillot pour eux. Mais bien sûr. Bon, après, si vraiment, si je perds le premier match, je diminuerai la difficulté. Ah, il y a le calendrier en bas. Ah ouais, ça a vraiment changé, en fait. Là, pour le coup, ils ont vraiment changé le truc. C'est dommage qu'il y ait toujours ces chargements bizarres. Strasbourg est un redoutable adversaire. Hein, c'est pour ça qu'on va tout donner aujourd'hui. Bon, c'est bon. On va pas tout regarder à chaque fois parce que ça risque d'être un petit peu long. Ok, je vais juste vérifier mon plan de jeu. On sait jamais. Alors, Payet MO, Flotova MO. Ok. Juge, il est à 78. Ah, d'accord. Ok, pourquoi pas. Sanson, il est à 82. Attends. Non, parce que là, ailier droit, Liadji. Germain, j'ai pas d'attaquant sur mon banc. Ça va être un problème, ça. Certic, mais bah, ça va, faut pas abuser. Perrin, il jouera pas de toute façon, donc ça sert à rien. Ake, apparemment, il est très bon, lui. J'ai jamais vu, mais apparemment, il est très bon. Je mettrai Liadji sur le banc. Ok, on y va. On va laisser l'intro, on va tout laisser. Match dans le cloud. Match dans le nuage. Disputez des matchs contre d'autres joueurs, même quand vous ne contrôlez pas les matchs vous-même. Vous savez déjà pas en recommence. Ah, d'accord. C'est la reprise. Le championnat est de retour pour notre plus grand plaisir et après une longue trêve estivale. On attendait tous ce jour depuis que le calendrier de la saison est sorti. Tous les compteurs sont remis à zéro et tous les espoirs sont permis. À entendre les supporters qui allument les tribunes depuis plusieurs heures maintenant, les ambitions sont immenses. Espérons que les joueurs sont aussi prêts que leurs fans. Voilà un stade magnifique, plein comme un œuf, c'est parfait pour ce match. C'était qui ça? C'était Rongier? Waouh! Bon, ils vont faire une mise à jour, c'est sûr. C'est quasi sûr, il y aura une mise à jour en novembre ou en décembre. C'est vers là qu'ils font les mises à jour des modélisations des joueurs ratés. Tous les ans, ils font une petite mise à jour. Parce que là, pour le coup, Rongier, il a une sale tête. Bon, on va tenter comme ça. Hein. On va essayer, on verra bien. On verra bien ce que ça donne. J'ai jamais joué dans ce dispo. Il joue comment? Ah, intéressant. 3-2. D'accord, avec deux attaquants. C'est ça que je veux faire, mais... Ah oui, mais non, mais j'ai deux attaquants, en fait. J'ai Germain. Ouais, mais Germain... Oh, pourquoi pas, on verra. On verra si on le fait jouer. Voilà, Lopez, il fait partie des mises à jour de l'hiver dernier, il me semble. Il me semble qu'il était mis à jour l'hiver dernier. Allez. L'Olympique de Marseille qui a donc un nouvel entraîneur sur le banc. Jusqu'ici, on en a partiellement parlé. Oui, c'est vrai, on a hâte de voir ce qu'il va apporter. En tout cas, il a l'air d'avoir le soutien des supporters et on sait combien c'est important ici. Allez. Oh, il y a faute là. Dans la profondeur. Ok.
Mais j'ai l'impression qu'ils sont un peu... Ah ouais, d'accord. D'accord, et à un moment donné, il faudra que je joue un peu, non? Oh, mais ça a l'air de s'être complexifié, la ville. Hein. Ça a l'air de s'être complexifié un peu, non? Attends, je vais essayer de mieux jouer, parce que là, ça va pas. C'est vrai qu'ils attaquent à deux, ils vont mettre un pressing de fou là sur mon gardien à chaque fois. Chaque fois que je vais... Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, j'ai appuyé sur RB. Allez, les contrôles de 40 km, ça va me saouler. Ah, c'est qui ça? C'est qui va d'ailleurs se ronger, ça? Ça va pas vite, hein? Ça va pas très très vite, dis donc. Ah. Oh! Gardien n'a pas eu. Allez. Allez! Oh, sérieux! Ah non, le gardien est bon là. Après, la tête était sur lui aussi, mais bon. Oh non, putain. C'était un peu fort. Tu l'as. Oh, c'est quoi cette passe laser là? Pourquoi il a fait une passe laser comme ça? J'ai pas compris. Oh là là. Bon. Ah, ce dispositif, je l'aime pas trop en fait. Faudra voir. Hein. Faudra voir vraiment avec le temps si ça me va ou pas. Mais moi, il me faut deux attaquants. Il m'en faut pas qu'un. J'aime pas jouer à un attaquant. Quitte à jouer à trois derrière. Ah, oh, putain, je fais n'importe quoi. Oh, t'imagines, toute une saison avec Amavi, ça va être compliqué. Mais... Ah, ils font des mauvaises courses. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de pré-saison. Là. J'aurais pu préparer mon équipe. Je ne sais pas si j'ai raté l'option. C'est possible que j'ai raté l'option aussi. Hein. Oh non, putain. Y a pas faute. Y a pas faute. Ouais, mais y avait pas faute en fait. C'est surtout ça. Par contre, Camara, ça serait bien de le modéliser comme il faut aussi. Ça serait gentil. Monsieur Konami, si tu m'écoutes. Alors là, les coups francs. Je suis très mauvais sur la défense au niveau du jeu de tête. Je suis très très mauvais. Franc, corner, tout ça, je suis une passoire. C'est pas passé. Putain. Oh, la fin de frappe n'est pas passée. Bien joué. Ah, oh, mais. C'est incroyable. Il a pas contrôlé le ballon alors qu'il avait, je comprends pas là. Mais. Prends-le! Ah, mais prends-le le ballon là, qu'est-ce qu'il me fait? Ah ouais. D'accord, ok. Ça va être dur. Ça va être dur. Putain, ça va être dur. J'aurais dû laisser la période de transfert initiale. J'aurais dû en laisser une. Allez, il faudrait aller de l'avant maintenant. Mais, putain, incroyable. Pulisic. Wow. Chaque tacle, j'ai l'impression que tous les tacles, ça va être faute. Je sens gros comme un camion. Ah ouais, non, mais jaune en plus. Ça méritait jaune, ça? Ah oui, ok. Et ouais, je pensais vraiment avoir touché. Alors là, c'est vraiment le truc. Depuis tous les PES, je suis très, très, très mauvais sur les coups de pied arrêtés. C'est incroyable. Je sais pas défendre. Il y a du mouvement.
Allez, on tente de loin, on sait jamais. On sait jamais. Normalement, il a une bonne frappe, Thauvin. Bon, là, pour le coup, c'était pas assez. Camara. Il s'appelle Camara, le gardien de Strasbourg ? André, il s'appelle Camara. Ok. Je savais pas. Faut prendre. Ah putain. C'est mal fait, ouais. C'est bien fait, il m'a dit. C'est pour ça qu'on vise pas le titre, parce que ça va être dur le début. Le temps de trouver mes repères déjà, parce que. Mais. Ah, j'arrive à rien, c'est incroyable. Les feintes de frappe passent pas, les gestes ils passent pas, y a rien qui passe. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à PES, c'est vrai, mais quand même là. Là c'est chaud. Ah, j'arrive même pas. Allez. Temps additionnel déjà. Ah, c'était nimp. Il y a hors-jeu. Eh oui, il y a hors-jeu. Il y avait hors-jeu. Ah là là. Jouer avec un attaquant, ça va être compliqué. Bon. Le dispo, je suis pas fan là. Je suis pas fan du tout. Ouais, on va faire du quashing. Ça va être les matchs de préparation de toute façon là. On va passer sur deux attaquants, mais du coup Thauvin, je le mets où? Je mets un attaquant. Ou je laisse comme ça? Non, Payet en. Payet sous. Non. Non, je sais ce que je vais faire. Comme ça, ça peut être pas mal. J'inverse Payet et Thauvin en fait. Thauvin sous l'attaquant, Payet en 10. Classique. Rongier, Eric, le joueur milieu-relayeur. Milieu-relayeur, ok, classique. Strotman dans un des récupérateurs. Ça peut être pas mal, ça. Je vais voir. Ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Bon. On va voir si c'est mieux. Bon, Thauvin, il n'est pas censé jouer. Bon, après, je vais pas non plus me baser sur les blessures IRL et tout. Même s'il en a pour jusqu'à janvier. Mais bon. Je vais pas me priver de lui parce que là franchement, sans lui, ça va être dur. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh. Tacler avec A, j'ai l'impression que c'est faute systématique. J'ai l'impression que tacler avec A, c'est systématique, il y a faute. Bien, faut être vraiment, vraiment pile. Ok, d'accord, c'est pas mal. Allez. Ouais, B, tacler avec B, il n'y a pas forcément faute. Mais A, j'ai vraiment l'impression que c'est systématique. Oh là là, ils sont vifs. Les adversaires, c'est incroyable cette vivacité qu'ils ont. Oh, l'IA, c'est n'importe quoi. Mais. Ok. Ok. Je sais pas. J'ai bugué. Ah voilà, là j'ai taclé avec A, il n'y a pas eu faute. Donc faut vraiment être. Ah mais putain. Je manque vraiment, vraiment de vitesse, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ce manque de vitesse que j'ai là, c'est chaud. Ah, oh non, il n'y a pas faute là. Bien sûr, non, il m'a juste poussé en fait, mais il n'y a pas faute. Ok, d'accord, c'est pas grave. Il m'a viré de ma trajectoire, mais il n'y a pas faute. Tranquille, t'inquiète. Parce que là honnêtement, vu comme j'avais poussé le ballon, j'allais direct à Ocage. Hein.
Pourquoi il a touché qu'est-ce que il touche le ballon lui. Allez, là tu as de l'espace mon petit. Oh, mais non. Mais non. Cette frappe en extension extensive là, qu'est-ce que c'est? Il n'y avait pas hors-jeu, hein, c'était pile. Ah, dommage. Oh là là. Oh là là. Rien que là, le gardien de Strasbourg, il est super, super hardcore, donc j'imagine même pas les autres. Aïe, aïe, aïe. C'est mal tiré. Mais putain. Ah, faut que j'arrête de faire ça. Mettre un peu de jeu offensif là, ça va pas là. Là ça va pas du tout. It's not good. Je me jette trop dans la gueule du loup en fait, c'est ça mon problème. Mais putain, mais prends là, vas-y dessus. Mais ah, Kevin. Qu'est-ce qu'il me fait, Kevin, là? Oh, putain. Oh là là. Oh là là, c'est incroyable. Ah, ça va être dur. Oh là là, qu'est-ce que ça va être dur, cette saison. Oh. Ça va être une souffrance. Ouais, mais à chaque fois que je prends le ballon, il y a faute aussi. On est bien sur de la Ligue 1. Ah, c'est, ah d'accord, j'ai rien dit. C'est pas moi qui fais faute. Okay. Il va l'avoir là, tu penses ou pas? Waouh, c'était pas du tout là que j'ai visé. C'est pas grave. C'est pas grave. Rongier, il est plutôt lent en fait. Hein, je remarque là. En tout cas, dans le jeu, il est pas forcément très rapide. Mais ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Mais oh, il y a trop d'écart entre les lignes, c'est pas bon ça. Ils sont trop écartés. Les actions coûtent cher. Mais compliqué. C'est compliqué. Attention. Oh là 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 là. Pfff. Heureusement que j'ai Mandanda qui gère un peu. Allez Mandanda, vas-y. J'ai aucune confiance. Ouh, faute. J'ai aucune confiance en mon jeu défensif. Je préfère envoyer Mandanda dans les airs que de défendre. Ah, mais pourquoi il la prend pas la balle? Ça me rend fou. Ah, ça me rend niaille. Il la prend pas la balle. Il va dessus, mais il la prend pas. Ça me rend niaille. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce que c'est? Le jeu, respecte-moi un peu, s'il te plaît. Mais. C'est bon. Vas-y. Vas-y. Tu l'as. Ah, mais. Voilà, j'ai rien à dire. Là. Physiquement, je me fais éclater, c'est n'importe quoi. Voilà. Voilà. Oh non. Oh non. Ah, mais sérieux. Ah, j'en ai marre. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Mais en tout cas, ce dispo, il a l'air un peu mieux pour moi, mais bon. Faudra voir à changer un peu les hommes. Voir à mettre plutôt Germain en attaque. Et jouer sur Tovin Payet, quoi. Oh non! Allez, c'est le tout pour le tout. Mais vous allez à deux à l'heure aussi devant. On va tout pour le tout. On va tout mettre.
il reste plus grand chose, il reste plus de temps. C'est terminé. Yo, salut Axel. Putain. On va, je vais changer le mon dispo là. C'est pas bon. It's not good. Changer mon dispo. Ouais, le classement de toute façon c'est le premier match forcément. Bon, joueur de l'année en Europe, on s'en fout un peu en fait de ça. Cristiano Ronaldo, c'est bien, bravo, bravo à lui. Ça, c'est un peu des passages qui sont inintéressants dans le jeu, que j'aime pas trop en fait. J'aime pas ces... Ah, l'une de nos matchs à Strasbourg n'était pas une mince affaire. La réaction d'après, c'est des supporters, c'est également agréable à voir. On ne va rien lâcher. Loul. Oh, merci Axel pour ton host. Ah, d'accord, l'entraîneur est content en plus. D'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas, il est content. Écoute, on a fini contre Strasbourg à domicile, il est content. Bon, c'est le président, pardon, il est content. Mais c'est pas mal. C'est, ça commence bien. Juste, alors, on va changer de formation, du coup. 4-3-1-2, j'avais mis. Ça, c'est bon. On va changer les hommes. Second attaquant, on va mettre Valère. Pourquoi il n'aime pas ce poste-là ? Donc je vais mettre avant-centre. Florent Thauvin, ça le gêne pas. Ça le gêne pas, ça le gêne pas. Ben merci, vous avez toujours plaisir, des petits hosts comme ça. Si cool. Attends, ça, MDF, Certic. On a dit qu'on n'en veut pas. Attends, je mets qui à la place. That is the question, on va mettre Liadji. Liadji va... Ah mais un ailier droit, ça va être chaud, il a dit. C'est pas grave. It's not grave. Alors attends, ça c'est bon. Rongier, je suis vraiment pas convaincu du truc. Négociation. Alors qu'est-ce qu'on a ? Il faudrait que merci pour le follow, Jojo. Il faudrait que j'arrive à vendre Payet. Payet, va falloir le vendre. Parce que là, Payet commence à être vieux. Il a 12 500 000. Ah ouais, d'accord. Ah oui, c'est vrai qu'ils ont changé ça. Ils ont modifié, parce que je me rappelle que l'année dernière, Payet, je l'ai vendu à 45 millions, un truc comme ça. C'était n'importe quoi. Entraînement, il y a quoi là déjà ? C'est là que vous pouvez désigner les capacités sur lesquelles vous souhaitez que vos joueurs se concentrent pendant leur session quotidienne. Vérifiez les images. Ok. Le bon. Ah oui, ça je ne l'ai jamais fait en fait. Liadji, je veux pas qu'il soit ailier. Est-ce que je peux changer ça ? Je veux que ce soit second attaquant. Ouais, on va le mettre en second attaquant, Liadji. Ça sera mieux. Ça sera mieux pour tout le monde. Ça sera mieux en second attaquant. Latéral offensif, ok. Lopez, Emilio Rodríguez, ça ne change pas. Après le reste, je pense que tout est bon. Ah, Thauvin, on va le mettre en. Du coup, on va le mettre en on le met en quoi ? Numéro 10 classique. Alors, conscience offensive, contrôle de balle. Ah, il augmente à fond son contrôle de balle, mais second attaquant ou numéro 10 ? Second attaquant, il monte sa forme. Je pense que... Du coup, non. Ah, je sais pas. Non, je vais le laisser. C'est bon, je laisse comme ça. C'est pas grave. Quoique il me faut je sais pas. Second attaquant, allez vas-y, second attaquant, c'est bon, allez on va avancer un peu. Alors comment je suis là, match suivant et c'est parti. Alors plan de jeu, les maillots par contre là je suis pas convaincu, ça dépend à quelle heure on joue en fait. Il faut pas qu'on joue, voilà, faut qu'on joue la nuit. J'aime pas quand il y a le soleil, ça me perturbe. Alors, là on est comme ça, donc des Benedetto, ok, tac, ok, Pelé, ok, ok. Ah, Camara est pas. Attends, Camara est pas chaud. Camara a un petit souci, donc on va le sortir, on va mettre Juge à la place, voilà. Les maillots, est-ce qu'ils ont pas un maillot sans rayures ? Ou bien moi je mets le blanc ?
Ça passe comme ça? Non, c'est pas terrible. J'ai mis le blanc. Oh, ça passe en fait. Le short blanc, ok, ça passe. Allez, on y va. Bon, on a mal commencé la saison, on va espérer. Après, si vraiment je galère trop à marquer, parce que là, le problème que j'ai, là, c'est les gardiens qui sont des murailles. Et ça, je pourrais rien y faire, parce que bon, ça va être compliqué. Le stade Raymond Kopa. C'est bien, au moins ce mode, il a mis les vrais stades. Ça, c'est pas mal. Tradition, reste placida. Par contre, les sponsors, ils sont juste dans la mauvaise langue. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ouais, ça va, ça passe comme ça. Faudrait que je joue tout le temps de nuit. Faut que j'y pense à mettre tout le temps la nuit. Pour pas jouer avec les reflets du soleil. Il n'y a pas faute, hein? Ah, voilà. Un tackle à 100 fautes. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, les tacles A, c'est chaud, hein, les tacles A. C'est pas évident de tacler A sans faire. Ah, c'est pas. Oh, d'accord, c'est pas moi qui fais faute, ok. Je comprends rien à cet arbitrage. Très honnêtement, l'arbitrage, je le comprends pas. Hein. Même si là, pour le coup, il était pour moi, mais. Allez! Ouh là 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 là. Magnifique. Ah voilà. Enfin, on marque des buts. La frappe lointaine et quelle précision. Oui, il était concentré sur son tir, les yeux rivés sur le ballon, il a déclenché sa frappe. Bim, plus rien n'existait autour de lui. Donc là, j'ai l'impression que la frappe avec RB, donc les frappes enroulées, sont plus efficaces que dans 2018. Dans 2018, j'avais déjà dit les frappes enroulées, en fait, ça servait quasiment à rien. Là, pour le coup, la frappe enroulée, voilà, c'est bien enroulé, quoi. Et ça, c'est cool. On va amener lui là-bas. Ok. Il choisit la profondeur. S'entrera pas. Ça passera sur le côté. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi j'ai pas compris. Il est tombé là, non? J'ai pas compris ce qui s'est passé. Ok, on récupère. C'est parti. Vas-y. C'était un peu. Ah, on aurait pu le. Ah, oh, c'est merde. Il m'a arnaqué. Par contre, les commentaires, ils les ont pas trop changés en fait. Par mon pote. Les commentaires, c'est toujours les mêmes blagues dégueu. Ah, mais c'est quoi cette passe que je fais? Oh là là. Je fais des passes dégueu, c'est incroyable. C'est parti. Ah, pourquoi c'est loin derrière comme ça? Ah, la passe, elle était à 40 mètres derrière, quoi. Ah, mais. C'est mes joueurs, ils sont trop dans l'anticipation. Ils sont trop dans le futur, là. C'est pas bon. Ils anticipent beaucoup trop. Du coup, à chaque fois, je leur fais des passes et ils sont pas là. Ah non, ça, c'est pourri. Ça, c'est pourri. Mais on gagne la touche. Mais c'est pourri. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est hors-jeu, là? Germain est hors-jeu? Ah. Oh, d'accord. J'avais pas vu. D'accord. Le gardien loin devant.
Ah. Germain. Ça joue long. C'est bien donné. Oh mais voilà. Ça c'est le genre de problème que j'ai là, que j'arrive pas à résoudre. Les passes qui sont complètement éclatées. Il enchaîne les dribbles. Mais sérieux. Sérieusement. Cette séquence, elle était incroyable. Sérieux. Non mais sérieux. Ah putain, c'était beau ça. Oh là là. Ah, qu'est-ce que c'était magnifique, ce moment-là, il est beau. Tchaleta char. Et dit juge direct, c'est bon. Tchaleta char. Oh, c'est bon ça. Oh, Germain. Oh là 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 là. Oh là là. Oh là là. Ah, c'était bien joué ça. Mais quand on laisse un joueur démarquer comme ça, du coup, il n'y a plus un bruit dans les tribunes. Ah, c'est ça recommence. Oh là là. Germain, ils l'ont fait bon hein, dans le jeu. Il est pas dégueu Germain dans le jeu. C'est sûr, c'est pas dans le top non plus, mais il est. On peut s'en sortir avec lui. Lui plus Benedetto, ça peut le faire en attaque. Après, bon, faut pas qu'un des deux se blesse, quoi, c'est tout. Oh là là. J'ai toujours ce problème défensif où je galère à récupérer des ballons. Je sais pas pourquoi. Voilà, on libère un peu d'espace. L'Olympique de Marseille qui essaye de construire. Ah. Pareil, mon disque qui vient, qui part, et sait pas trop ce qu'on va faire de sa vie. Et du coup, c'est un peu compliqué d'anticiper avec lui. Yeah. Ah là là, ça. Là, là ça se voit qu'il y a eu du coupage de jambes là. Là ça s'est vu là. Découpage, il était beau. Voilà, part mon petit Lopez, c'est bien ça. Le décalage. Allez. Boum. Ah, c'est quoi ça? Ah, c'était complètement écrasé, c'était nul. Oh là là, qu'est-ce que c'était nul. Oh là là. Oh, la nullité de la frappe, quoi. Waouh. Je pensais pas faire ça, ce genre de frappe, là. Pourtant, j'avais l'impression d'être bien positionné et tout, mais le jeu n'a pas voulu. Changement d'aile. C'est joué long. Le petit 1-2. J'ai. Au second poteau. On va reprendre un peu. Rongier. Allez, on part sur Germain. On part en bas, on l'a vu. Il est servi. Ah, le contrôle trop long. Quelle passe. Oh, le contre, l'arme fatale. Ah là là, ce contrôle tout le temps là. Putain, les contrôles, ils sont trop longs, ça m'en fout. Ah, bon. On va avoir plein de jeux. Qu'est-ce qu'on peut faire, là? Rongier, je suis vraiment pas fan. Là. Dans le jeu, en tout cas, je suis pas convaincu du tout. C'est bizarre, hein. Je suis pas convaincu par Rongier. Diadji, il faudra que je le tente. Un moment ou un autre, il faudra le tenter. Là, il est encore trop faible, je pense. Mais Rongier, de là à préférer Sanson, c'est chaud quoi. Allez, oh dommage. Là pour le coup, le contrôle était long, mais il était bon. C'était un bon contrôle, long, orienté comme il faut. C'est pas un contrôle dégueu là. Tu sais pas ce que tu fais de tes pieds. On va les laisser venir un peu ou comment on fait là? Ok, bah écoutez, jouez, faites des passes. Hein. C'est la base. Hein. Ils font courir, hein, ces petits malinois là. Tout à l'heure, ils me font courir en fait.
Après, à un moment donné, il faudrait qu'ils jouent un peu parce qu'ils perdent à la base. Mais bon. Ligue 1 oblige, hein. Oh. Ça peut partir en contre. Voilà. Mais voilà, on se laisse pas faire, nous. Lopez. Tovin. C'est bon, j'ai vu. Tomé, viens. Ah. Alors, par contre, Germain, ils l'ont fait bon, mais la frappe sans contrôle, c'est pas son truc. Ah, par contre, ouais, c'est ça. Le ballon a sauté, je sais pas pourquoi. J'ai pas compris. Oh, mais... Ah, oh, merde, j'ai arrêté ma course. Je sais pas pourquoi il a arrêté la course, lui. J'avais intercepté, mais pas récupéré. Y a pas faute. Oh, voilà, quand même. En haut. Dommage, on a perdu un peu de temps, là. Allez. Voilà. Ça, c'est bon, ça. Ah, ça, c'est bon, ça. Là, pour le coup, il a réussi à jouer de son physique, le petit Lopez. C'est pas mal. Bon, la passe, je m'attendais vraiment pas à ce qu'elle passe. Mais elle est passée, entre les jambes du joueur, là. Cette passe, je pensais pas qu'elle passerait, celle-là, là. Ah, petit pont, ok. Ça passe entre les jambes. Après, Benedetto, ben, devant les cages, c'est pas mal, hein. C'est bien. Bon, la célébration, je sais pas comment il célèbre ses buts. Je suis pas sûr qu'il les célèbre comme ça. J'ai pas envie de jouer en défensif parce que. Oh. Faudrait que je réussisse à faire des bons tacles un jour parce que là ça va être compliqué là. Si j'arrive pas à tacler, ça va être compliqué. Ouf. Allez, mais allez-y dessus. Ah, oh, ils sont énervants. Voilà. Les tacles debout, on y arrive. C'est bon, ça. Par contre, ça, c'était dégueu. Mais on prend la touche. Le ballon sort en touche. Tovin. Oh non. C'est une remise en jeu. Ah, le jeu court. J'ai encore. J'ai plus. Ah, ils ont contrôlé l'avancée adverse plutôt que de chercher à récupérer le ballon plus haut. Vous avez raison, Grégoire. J'ai même l'impression qu'ils se méfient énormément des courses dans le dos. C'est bon. Bien joué, les gars. Ils ont bien compensé. Tout le monde a compensé. Tout le monde a fait ce qu'il fallait. Là, c'est parti. Tovin. Allez, frappe Tovin. Frappe de loin, c'est pas terrible. Hein. J'ai encore un peu de mal là, mais ça devrait, faut que ça vienne. Peut-être un petit entraînement pour lui, peut-être là-dessus. Waouh, la fin de frappe qu'il m'a fait. Oh là là. Ah, il m'a mis une fin de frappe, il m'a. Oh là 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 là. Ouais, il m'a bouffé sur sa feinte là. Pouf. Merci, au revoir. Oh là là. Moi, j'arrive pas à les faire. Moi, ça marche pas quand je les fais. Sakai qui a donc offert un but à son coéquipier. Mais. Ah, mais je fais n'importe. Mais allez-y, les joueurs, putain. Oh, ils sont chiants, là. Allez, pas d'autres mots. Oh, l'IA, elle est ingérable. Voilà, on va aller tranquille. Voilà, on prend un peu d'espace, tranquille, on repasse en... Bon, j'ai rien dit. Ça, c'est pas mal.
Ça, c'est hors jeu. De toute façon, il est hors jeu, je crois. Il est hors jeu, la passe était mauvaise. Donc, tout était mauvais. Mandanda, vas-y, plus vite. Il n'y a plus de gardien. Il n'y a plus de gardien. Oh, il n'y avait plus de gardien. Oh là là, j'ai sorti Mandanda comme une merde. Oh là là. Oh, cette sortie dégueu. Incroyable. Bon, comme d'hab, les buts adverses, on les a. Non, il faut voir la sortie que j'ai fait là. Oh, mais j'ai pas compris pourquoi il a pas mis les mains en fait. Et là, personne y va. Tain, ça m'en fout. Ça m'en fout. Bon, c'est pas grave. On a un peu d'avance. Mais c'est trop long. Pourtant, j'ai à peine appuyé. Ça fait des passes. What? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc encore? Oh là là. C'est bon. Faute. Première faute sur un tackle B. Première fois. On inaugure la faute sur le tackle debout. Ah oui, je l'ai marché sur le pied, c'est ça? Ok. Oh là là. Bon. Allez. Mais, oh putain, j'ai raté la course. J'ai raté la... En fait, j'ai arrêté la course et du coup, j'ai perdu mon avance, mais je l'ai arrêté parce que mon doigt a glissé, tout simplement. Oh. Vas-y, reprends là. Oh. Ah. J'étais dans le mauvais sens. J'étais obligé de frapper. J'étais obligé. On n'avait pas le choix, là. Il y a quand même des actions un peu étranges dans le jeu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Mais, putain. Faut pas le laisser, lui. Mais bien sûr qu'il y a faute. Bien sûr. De toute façon, à chaque fois que je tacle, je fais des fautes, moi. Ah, il y a filade. Ah, Sanson, il veut se filer. Ah, Sanson, il veut se filer. C'est lui qui a taclé ? Ah ouais. Comment ça, il veut se filer, Sanson ? Il veut s'engrainer et tout. Waouh. Oh là là. Bon, les stratégies, moi, j'en connais qu'une. C'est spammer A pour faire des têtes ou B pour dégager, c'est tout. C'est la seule stratégie que je connais. Je ne connais pas d'autres. C'est récupéré facilement. Ah, il met du temps à se lever. Il met du temps à se lever, le petit bonhomme. Ah, heureusement que j'ai un Mandanda qui est en forme, hein, parce que là, j'en aurais pris des buts. Hein. Mais c'est bien. C'est bien. Première victoire du championnat. Ça va. Bon, c'est le deuxième match, mais ça va. Allez. Allez. Combien les stats? Ah, 42% de possession. Ah ouais, que 40. Ils ont cadré 5 frappes, j'en ai cadré 6. Waouh. 5 fautes. Il n'y a pas eu de corner. C'est étrange ça. 191 passes réussies, ils en ont réussi 100. Ah ouais, mais à un moment donné aussi, ils faisaient que des passes. On gagnait 3-0, ils faisaient que des passes. Un centre. Ah ouais, mais toutes les stats, ils sont quasiment au-dessus à chaque fois. Hein. C'est incroyable. Oh ben ça va. Bon. Du coup, on remonte un peu au classement, forcément. Il y a deux équipes à 6, tout le reste est à 4. C'est cool.